Une guest star aujourd'hui, une grosse tête qui raconte sa vie encore plus rêvée tous les soirs à la Gaîté Montparnasse, monsieur Michel Bougenard. Vous connaissez Pierre Bénichou et Michel Bougenard ? Non, mais j'aimerais beaucoup le connaître. Ah oui ? Ah, parce que je trouve que c'est un garçon qui a un talent fou. Et je me demande de quelle région de France il vient, parce que j'ai l'impression de... Je viens de Normandie, de Normandie. Ah oui, tiens, oui. Au revoir ta Normandie. Non, mais moi je connais bien Michel Bougenard, je suis un de ses premiers admirateurs, il pourra vous le dire. Oui. Ah oui, ah oui. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, il est venu me voir très tôt au théâtre. Il était quelle heure? Justement. Hey, un peu d'humour, ça fait pas de mal. Hein. Mais enfin, monsieur Bénichou, qu'est-ce qui vous arrive? Je ne sais pas, je vais le voir très tôt. Et Jean-Phi, vous êtes content de le voir, Jean-Phi? Ah, non. Il y en a un que je ne peux pas blairer, c'est bien Jean-Phi. Mais il s'est installé dans une sorte de fausse gloire, de machin, tout ça. On le voit, l'autre jour, je l'ai vu à la télévision. Ah oui ? Il était en scène tout seul. Ah oui ? Bah, il est meilleur avec nous, hein. Mais non. Il est jaloux. Eh ben, rien que ça, tu vois, dans ta bouche, c'est de l'amour, je le sais. Je le sais. En plus de ça, il n'a aucune dignité. Rien. Comment ça, aucune dignité ? Bah, je l'insulte et il me dit oh, c'est de l'amour, c'est de l'amour. Tu serais pas un peu de la jaquette, toi? Et Chantal, là-dessous, heureuse de retrouver... Heureuse de retrouver surtout Stevie, en fait. Ah oui, oh, ma parce que je l'aime. Moi ah bon aussi, et j'ai vu Mergo récemment, nous sommes vus, j'étais boire une bière chez elle, et elle m'a dit... Articulé, on comprend rien. Ah. On a compris bien. Je suis allée boire une bière chez Mergo, qui m'a dit, j'attends Stevie qui doit me planter. Ah oui, faire son jardin. Oui, tu dois planter son jardin. Ah mais oui, elle m'appelle jamais. Elle veut pas prendre sa voiture pour aller chez Jardiland ou Truffaut. Je fais le trait d'union. Elle t'attend. Ouais, ben j'irai bientôt. Mais c'est un plaisir de rencontrer Michel Bougenard que je vois souvent sur les quais. Enfin, sur les quais, vous êtes partout en photo en fait. Vous êtes dans les colonnes Meurice. Vous faites la pute le soir. Et non, mais c'est vrai, il est sur tous les trottoirs en ce moment. Tu sais toujours parler à nos invités. Comment ça, il est sur tous les trottoirs? On le voit partout, enfin dans le métro, dans les colonnes Meurice, partout. Pas dans les colonnes Meurice, sûr. Oui, enfin dans, il y a une vitre en verre entre les deux quand même. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Non, je sais pas, je suis affolé par le niveau. Mon ami Bougenard vient pour la première fois, je me suis non, dit... Non, il vient pas pour la première fois. Non, c'est la première fois que nous nous retrouvons ensemble. Ah bon? Parce qu'il m'avait dit jusque-là, surtout me mets pas avec Pierre Bénichou. Puis là, aujourd'hui, on n'a pas pu faire autrement. Ah, vous tutoyez en plus? Qui ça? Bougenard et toi? Bah oui, on se tutoie, on se connaît depuis. Ah, Michel. Oh oui, ça commence à faire un beau temps. Puis alors, on a ce point commun de pas trop vous aimer, Pierre. Et vos origines aussi qui sont communes? Non, qui? Laurent, Laurent et toi? Oui, bah, absolument. Évidemment, on est normands tous les deux. Oui, ils sont normands. On va pas se laisser emmerder par un juif algérien. Non. J'ai été juif algérien longtemps. Ah oui? Ah, c'est fini maintenant. Pourquoi ça peut changer ça? Ah oui. Qu'est-ce que vous êtes maintenant? Là, je suis juif tunisien. Maintenant. Voilà, enfin. Il a enfin compris là où était le bon côté. Et vous êtes toujours ch'ti alors, monsieur Janssen, ou est-ce que vous êtes devenu définitivement parisien? Ah non, je peux pas être parisien. Non, je reste ch'ti dans l'âme. Ch'ti reste ch'ti. Oui, ça ne part jamais. Jamais. Il y a des bases solides. Ouais. Solides, oui. Oui, même quand j'habitais à Montpellier, ils m'ont jamais compris. J'habitais 15 ans à la même résidence. Pendant 15 ans, on m'appelait de nouveau. C'est correct.